m'appelle Thomas Stevenard, je suis coordinateur du projet ECRAX et pour Infor Jeunes Luxembourg. Je m'occupe d'un atelier, d'un groupe de jeunes en fait, chez Infor Jeunes, et on fait de la réflexion sur le média YouTube. On en débat toutes les deux semaines voilà, entre nous, et on s'est dit tiens, on va aller à un salon comme ça pour rencontrer les vidéastes. Et donc 2 ans de suite, on a été à la Neocast à Strasbourg. Et ça nous a donné une idée de se dire, bah voilà, il y a des trucs bien, mais il y a des trucs qu'on aimerait bien faire différemment. Et pourquoi pas faire ça chez nous, pourquoi pas lancer un projet fou. Et puis un an plus tard, on y est. C'est la première édition et on est content de son déroulement. Oui, ici à Arlon. C'est une journée de YouTube, je veux dire, on regarde ça vraiment souvent, on regarde beaucoup de vidéos, on enchaîne. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment une journée, en tout cas dans les conférences et dans les débats, c'était pour dire, ok, on va remettre en question, on va réfléchir un peu à ce qu'on regarde, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière la vidéo. Et donc je pense que c'était intéressant de ce point de vue-là. Pour ceux qui sont venus aux ateliers, bah, c'était intéressant pour ceux qui voulaient se lancer eux-mêmes dans la vidéo. Ils ont pu faire du montage, ils ont pu faire de la prise de son. Enfin voilà, ils ont pu faire vraiment plein de choses qui pourraient les avancer. Et pour les vidéastes, je pense que comme il y avait beaucoup de vidéastes de styles différents, ils ont pu un peu exposer leur vision de YouTube, leurs expériences, et un peu se dire, ah ben tiens, lui, il pense différemment. Enfin voilà, et donc, tiens, c'est intéressant, on fera peut-être un petit partenariat entre nous. Donc c'est des rencontres pour eux, je pense. La vulgarisation, en fait, c'est expliquer des concepts relativement compliqué de prime abord et qui en fait le sont pas du tout. Il faut juste prendre le temps d'en parler comme il faut et avec les bons mots de manière à pouvoir les rendre intelligibles au grand public. Sur le moment où ça dépend avec quoi tu commences. Tu commences à avoir une communauté, il y a un petit impact qui se crée et là forcément les haters arrivent parce que justement il y a un impact. Ben, donc, qui sait qu'il y a une chaîne ici, une chaîne YouTube? Personne? Bah en fait, la SBL 6x7 travaille déjà depuis quelques années avec Infor Jeunes. Donc du coup, c'était tout à fait normal pour nous, quand on nous a demandé de participer au projet, de s'intégrer là-dedans. Et ensuite, on s'est un peu séparé les rôles. Et donc, en regardant le programme, je me suis proposée pour certains débats. Celui de la vulgarisation scientifique, parce que déjà, personnellement, c'est une partie de mes études. Et qui, en plus, c'est ce que nous faisons au Café Numérique Arlon. On vulgarise le domaine de l'informatique. Ensuite, pour la table ronde sur la place des femmes sur YouTube, c'est aussi par rapport à la place d'une femme dans le domaine technique qui n'est pas toujours facile et qui me paraissait assez intéressant de débattre là-dessus. On se rend compte au fur et à mesure des conférences où on aborde des sujets qui sont quand même assez similaires à chaque fois, il y a un consensus qui est en train de se construire, en tout cas chez les vidéastes, sur l'importance de la pensée critique, et comme quoi ce serait la réponse à tout ce qui dérive, fake news, pensée extrême, conspirationniste. Il n'y a pas de solution miracle, mais apprendre aux gens à se poser des questions, à réfléchir, à varier les sources, apparemment, ça se confirme à chaque fois, les gens sont d'accord pour dire que ce serait ça la solution. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est convaincre un peu ceux qui prennent les décisions pour qu'ils mettent ça en avant. Ce n'est pas encore le cas, il me semble. 30 commentaires, mais c'est la chose qui nous rend le plus heureux du monde. Que des gens nous disent que c'est bien ce qu'on fait et qu'ils aiment. Ben voilà, on est très contents de cette édition, puisque là, on arrive à la fin. Et on espère que le public sera présent à l'édition CRAX 2018, qui aura lieu plus ou moins à la même période l'année prochaine. Parfait.